Allez monsieur, poussez. Poussez, 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 poussez. Oui, c'est bien. Je vois la tête. Continuez monsieur, continuez. Poussez, 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 poussez. Allez, on respire. On respire. Allez monsieur, poussez. Poussez, 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 poussez. Oui, c'est bien. Oui, oui, oui. Félicitations monsieur. C'est un magnifique étron. Docteur, donnez-moi les papiers d'adoption. Critiquons, moquons-nous, des riches, des puissants, des cons et malbaisants, mais n'oublions jamais que la haine aveugle n'est pas sourde. Bonjour à tous. Les divorces, c'est toujours très compliqué, et quand ces derniers concernent des starlettes du cinéma ou de la politique, il paraît illusoire de vouloir s'en extraire. Quoi qu'il en soit, la décision à prendre en ce qui concerne la garde des enfants se solde généralement par des conflits ouverts et sans fin entre ceux qui partageaient autrefois la même couche, et changeaient celle du petit. Prenons à titre d'exemple le couple Copé-Fillon. Auparavant, quand le tuteur du petit UMP était encore en poste, le mariage forcé tenait par la simple volonté du patriarche électoral, et les rôles étaient clairement définis. L'un gagnait l'argent du foyer en s'épuisant à maintenir l'entreprise familiale, tandis que le second restait à la maison et s'occupait des basses besognes ménagères. Oh, certes, tout n'était pas rose en ce temps-là, et quand François rentrait tard, ivre de ses propres discours ou des picombières qui s'enfilaient au PMU de l'Assemblée lors des sessions parlementaires extraordinaires, il n'était pas rare que Jean-François le tense vertement de n'avoir pu assister au premier row de Rachida et à la première crotte du petit Vauquier. Mais après la bonne soupe aux grumeaux idéologiques préparée avec amour par le cuisinier de la demeure, le chef Buisson, la paix se faisait finalement sous les draps chauds de la République, une fois la nuit tombée. Or, depuis que le pater a raccroché les gants au porte-manteau, chacun a voulu reprendre la boutique en train de couler. Résultat, c'est Jean-François qui écope, et François là dans le fion. Si vous aviez vu la tête du petit baouin quand on lui a annoncé qu'à présent il devait vivre chez son père, le maire de Meaux, le pauvre était inconsolable. Il faut bien dire que la perspective de devoir partager sa chambre avec sa demi-sœur Nadine, une pimbèche décolorée et vulgaire qui drague l'électorat frontiste parfumé au chenil numéro 5, n'avait certes rien de réjouissant. Toujours est-il que cette séparation a fait grand bruit, et pourtant, la procédure de divorce n'est toujours pas enclenchée. Évidemment, François a bien tenté de se consoler dans les bras députés à la maison close du Palais Bourbon. Jean-François a bien failli terminer dans le lit de Marine, une bonne copine à lui avec qui il partage un certain goût de la chocolatine. Mais voilà qu'un jour de solitude, les deux anciens amants se sont revus. Noyant leur amertume dans un grand verre de Vichy, ils ont fini par se reparler en se remémorant le bon vieux temps. Et c'est là qu'ils ont fait la grosse connerie à ne jamais faire en pleine séparation, ils ont recouché ensemble. Du coup, le parti qu'ils venaient d'adopter et dont ils ont la charge à présent ne sait plus où donner de la tête. Preuve en est, pendant que ces deux papas adoptifs se mettaient l'un dans et sur l'autre plutôt que sur la gueule, l'UMP partouzait en direction en laissant joyeusement s'exprimer les pires vices. Vice de procédure, vice trésorier, vice secrétaire, jusqu'à vice-président. Enfin, au moins dans ce genre d'union de mignons parentaux, personne ne risque sa vie en ingurgitant tous les jours des pilules de 3ème ou 4ème génération. L'homosexualité reste d'ailleurs, à mon humble avis, la meilleure méthode de contraception que je connaisse. Bien meilleure en tout cas que l'abstinence, qui a l'énorme désavantage d'augmenter fortement les risques de luxation du poignet. Pour essayer d'arranger les choses, la paire de pères a promis, courant septembre, d'aller voir un conseiller matrimonial. Mais d'ici là, pas dit que les services sociaux laissent les choses en l'état. Après tout, si l'UMP est fini à la DAS, il y a fort à parier que Marine se ferait une joie de la recueillir en son sein, juste pour élargir son suffrage. Quand Marine élargit son suffrage, profitant de la déroute de Jean-François, l'électorat épuisé du carnage était la 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 la, était la 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 la, était la 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 la. Allez, à bon électeur, salut.